La respiration alchimique est une pratique qui nous aide à vivre nos émotions en profondeur et en sécurité. Parce que le principal objectif de notre système de protection, c'est de nous éviter de revivre nos émotions traumatiques. Et sa principale stratégie, c'est de limiter notre capacité respiratoire. Parce que plus tu respires, plus tu es vivant et plus tu ressens les choses. Et incidemment, tu risques de revivre ces fameuses émotions traumatiques. Le problème, c'est que les émotions, ça marche un peu comme un robinet. Si tu décides de le fermer, tu limites aussi ta capacité de ressentir les émotions agréables, comme par exemple la gratitude, l'émerveillement ou encore la joie. Tu renonces à une bonne partie de ton énergie vitale. Tu retiens la vie en toi. Un peu comme si la vie, c'était le problème, alors qu'en fait, c'est la solution. Et le pire, c'est que tu dépenses un paquet d'énergie pour retenir cette vie en toi, alors si tu la laisses circuler, elle t'en donne plein. Donc la proposition de la respiration alchimique, c'est de nous autoriser à respirer pleinement et à vivre les émotions qui sont là, tout simplement. Notre système de protection fait l'expérience dans ses cellules que vivre ses émotions, même celles qui sont censées être les plus désagréables, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est bon, c'est libérateur, c'est même joyeux. Ton système se détend, tes choix ne sont plus dépendants de tes blocages émotionnels et tu retrouves ton plein potentiel de vie. Voilà, c'est ça la proposition.